Je suis venu de me adresser aux fanatiques. Les fanatiques RPC Arc-en-Ciel, le petit communicant le petit communicant de RPC Arc-en-Ciel, je suis venu de me adresser à vous pour vous mettre à la connaissance. Moi, Fode Diakité, je ne suis pas le même niveau que vous. J'ai une affaire avec Alpha Condé, c'est pas vous. Sankiri nan na otana. Naga otan oso mantan ntan ni nanan la. Han ntan fisa Alpha Condé be. Moi je suis mille fois mieux que Alpha Condé. Ye baragoro Alpha Condé la. Ji braji Alpha Condé la. Allez djom makoma yala. Vous allez tromper à qui? Vous allez tromper à qui? Ye baragoro Alpha Condé la. Ye baragorara. Wa matou. Alpha Condé a un problème de VC. Je vais vous faire à la connaissance aujourd'hui. Le peuple guinéen, partagez ces vidéos, pardon. Parce qu'il faut que tous les Guinéens aient plein de droits de connaître la situation de la Guinée. La manipulation, ça ne marche pas. La manipulation, ça ne marche pas. Yebar Guru Alpha Condé. Ndia Obubi, Alpha Condé, Ndar, Nouaïwa Tchofou, Nouaïwa Siyoko, Nangi. Gertogal ko honno woni lay ni ni yok ni si se jankaru ka si semina ay kala nyamena alfa yi wonya lebi ni hatore bar fura tore ha fure hatore bar tore suru ara afindi makia na hamma alfa na nakinito alfa konde a in problem de vese. Ça, c'est pour vous faire à la connaissance. Premier maladie de Alpha Condé, il a un problème de VZ. Deuxièmement, il a un problème de respiration. Avant, il y a des racoles qui sont branchés dans son nœud là. Il a un problème de respiration. Troisièmement, il a un problème de prostata. Donc, on doit faire la... Je suis en train de programmer comment ils vont procéder les opérations de prostata de Alpha Condé. Donc, parce que je ne voulais pas parler... Mais comme si le petit communicant de RPC, vous me poussez de parler, je vais parler tout. Moi, je connais son état de santé. Je connais le contenu de le dossier, le contenu des rapports médicaux de Alpha Condé. Je connais très bien. J'ai la connaissance de ça. Donc, vous ne pouvez pas venir de manipuler tous les peuples guinéens. Le moment de création de MIFA, Alpha Condé a créé des banques là où on prend un Camerounais, mais serrer la banque là. Et donc vous pensez que pourquoi les gens ont abandonné la Guinée? Parce que la Guinée est plus crédible maintenant. La Guinée a perdu la crédibilité à cause de cette manipulation politique, à cause de cette dirigeant malhonnête. La Guinée a perdu la valeur. La Guinée a perdu la crédibilité. La Guinée a perdu tout. Donc maintenant c'est vous qui va venir de nous manipuler. Et ça que j'ai dit, il y a des comptes rendus des conseils des ministres, je pense. Oui ou non? C'est une question que je vous pose. Parce que ça que j'ai dit, il y a un compte rendu des conseils des ministres. Pourquoi cette fois-ci, vous n'avez pas fait le compte rendu des conseils des ministres? Ça, c'est la première question que je vais vous poser. Si vous êtes malhonnête, Fode n'est pas malhonnête. Si vous êtes menteur, Fode n'est pas menteur. Parce que le premier menteur de la République de Guinée, c'est Alpha Condé, avec ses clans. Alpha Condé a dit, plus le mensonge est gros, plus le Guinéen vaut le croire. Donc, raison pour laquelle vous êtes en train de nasser dans l'eau sale. Vous pensez, votre mensonge là, votre manipulation là, qui va marcher sur nous, loin d'être là-bas. Soyons sérieux et responsables. Alpha Condé a des problèmes de VC, il a des problèmes de respiration, il a des problèmes de prostata. Donc actuellement, je suis en train de programmer comment ils vont procéder les opérations de prostata pour que Alpha Condé ne peut pas mourir. Parce qu'il ne peut pas supporter cette opération. Donc raison pour laquelle je dis qu'Alpha Condé ne peut pas durer. Si vous pensez qu'Alpha Condé est éternel, comme c'est votre petit Dieu, comme c'est votre petit Dieu, Alpha Condé ne peut pas dire. C'est votre petit Dieu. Votre Dieu là, comme il est Dieu, il n'a qu'à se sauver à sa vie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas tomber malade, ne peut pas avoir de problèmes de santé. Mais comme vous dites que Alpha Condé, c'est votre Dieu.
Alpha Condé, c'est Coran. Alpha Condé, c'est votre Dieu. Donc maintenant, on va voir maintenant. Comme il est dit, il n'a qu'à se... Alpha Condé ne peut pas se promener. Même 50 mètres, même 100 mètres, Alpha Condé ne peut pas se promener. Vous, vous pensez que vous ne connaissez pas? Ou bien, je n'ai pas de connaissances à la... Moi, je dis que nous, on a des radars à la présidence. On a des radars là-bas. On regarde, on fait les recherches. On regarde où se trouve Alpha Condé. Comment il est dans quel état? Nous, on fait les radars. Hein? On a des caméras partout. On fait comme ça. On cherche. Donc, si vous ne connaissez pas, nous, on cherche la situation de Alpha Condé. Alpha Condé ne peut pas marcher. Il s'est mis au défi. Si Alpha Condé, comme il est habitué de sortir, s'il est en bon état de santé, il n'a qu'à sortir, c'est promener. Même 100 mètres, Alpha Condé, 50 mètres même, Alpha Condé ne peut pas marcher. Même de 10 mètres, Alpha Condé ne peut pas marcher. Il y a des pousses-pousses là-bas. Quand vous mettez dans les pousses-pousses, après, vous envoyez les pousses-pousses dans cet endroit, après, vous le mettez au pied, après, vous enlevez d'abord les pousses-pousses en bas de lui. Maintenant, s'il est au pied, après, le caméraman vole la caméra. Vous pensez que nous, on ne connaît pas? C'est votre mensonge qui va marcher? Soyons sérieux et responsables. Autant petits communicants de RPC, moi, je n'ai rien à foutre avec vous. Vous, les petits communicants de RPC, vous pouvez babarder, vous pouvez vomir sur ma personne. Jamais fait ni chaud, ni froid. Vous pouvez vomir, mais la réalité est là et je vous mets en défi. Alpha Condé n'a qu'à sortir, c'est pour miner à Conakry. Donc c'est ça que moi je demande. Qu'est-ce que ça va les empêcher de sortir à Conakry? C'est pour miner. Qu'est-ce que ça va les empêcher? Moi, on dit que je suis en bon état de santé. Je ne suis pas malade. Donc qu'est-ce que ça va même empêcher de sortir? De me promener. Regarde, hein, c'est moi qui conduis ma voiture jusqu'à là. Regarde, je suis au pied, non? Vous m'avez vu? Je suis au pied, non? Oui ou non? Tu as vu, non? Tu as vu? Je suis au pied. Tu as vu? Vous me voyez comme ça? Tu as vu? Voilà. Tu as vu? Je suis au pied. Voilà. Est-ce que vous allez avoir un doute que Fodé ne marche pas? Vous allez avoir un doute que Fodé ne marche pas? Est-ce que vous avez un doute? Alpha Condé n'a qu'à le faire. Entre un point. Fodé est en bon état de santé. Dieu merci. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas dérancé. Je ne suis pas sous. Je ne suis pas fou. Alpha Condé est malade. Alpha Condé est sous. Alpha Condé est mentalement dérancé. Entre un point. Maintenant, quand il s'assit de votre porte-parole de gouvernement, soi-disant gouvernement, Thibou Camara, et lui, il se dit qu'il est intellectuel. Thibou Camara a dit qu'il est porte-parole de gouvernement. Vous prenez quelqu'un, devant une poste de responsabilité, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la capacité, ni moralement, ni physiquement, ni intellectuellement, pour assumer ses fonctions. C'est très honteux. Vous devrez avoir de honte. Thibou Camara n'arrive même pas à connaître, il ne connaît même pas les barils de pétrole, combien ça coûte un baril de pétrole. C'est le journaliste même qui a dit, Thibou Camara, le prix de pétrole. Lui ne connaît même pas, c'est lui qui va défendre. Il va défendre quoi? Il va dire quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne sait même pas. Donc, parce que c'est partidisme qui est là-bas, c'est pour, hop, Alpha connaît, comme Thibou et Alpha. Soyons sérieux et responsables. Pardon. Je vous en prie. Soyons sérieux et soyons responsables. Comment que quelqu'un qui ne connaît même pas, qui n'arrive même pas fait la différence des choses, qui n'arrive même pas de parler. Le prix des barils, vous dites que c'est le dernier là qui est votre porte-parole. Et moi, je suis en bon état de santé. Alpha Condé n'a qu'à faire la même chose. Ou bien, Alpha Condé n'a qu'à faire la même chose. Voilà, je suis en bon état de santé. Vous dites qu'Alpha est en bon état de santé. Qu'est-ce que ça va les empêcher de faire comme ça? Et voici, il a quitté. Mira.
Je suis là. Hein. Maintenant, Alpha Condé n'a qu'à faire la même chose. Parce que Thibaut Camara, je vais vous dire, Thibaut Camara ne connaît même pas. Il ne connaît pas comment on serait des postes de porte-parole de gouvernement. Il ne connaît même pas quel est réellement de la situation de la Guinée. Parce que si ce n'est pas grâce à les journalistes qui l'avaient aidé pour expliquer des prix des barils, sinon lui ne connaît même pas quel est le prix des barils. Donc vous dites que vous allez augmenter, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Vous êtes dans les arnaquer des populations. Nous, on en a marre de cette arnaque. On en a marre de cette manipulation. On en a marre de cette mensonge. Mes frères guinéens, on en a marre. Donc, l'autre jour là, le journaliste guinéen, je vais m'adresser à vous. Laissez les manipulations, les journalistes guinéens. Je suis de cœur avec vous, mais vous devrez laisser les manipulations et vous devrez communiquer comme la situation ça se doit. L'autre jour là, tous les médias ont publié qu'ils ont évacué Fonike Mangue. La évacuation c'est quoi? Il faut que vous nous définissiez la évacuation des cas de Fonike Mangue. C'est vous qui a dit Fonike Mangue a été évacué à l'hôpital, dans une clinique. Fonike Mangue a été admis. Vous avez Fonike Mangue a été admis, c'est pas évacuation. Évacuation, quand on prend les Fonike Mangue, on évacue Fonike Mangue, prend dans un pays la Guinée, fait les sorties dans le territoire de Guinée-Conakry, emporter, évacuer à Dakar ou bien évacuer au Maroc, en France, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on dit évacuation. Quand on dit évacuer, cela veut dire qu'il a déjà sorti à la territoire de la Guinée pour aller se soigner à un autre pays. On peut dire que Fonike Mangue est évacué. Mais pourquoi vous, les médias guinéens, en manipulation de Alpha Condé avec ce clan bandit de mafia, pourquoi vous allez mentir au peuple guinéen, vous dire que Fonike Mangue a été évacué? Il a été évacué où? Il a été admis dans une clinique en Guinée, au Kaloum. Ils ont fait sortir dans les prisons, envoyé dans cette clinique à Kaloum. C'est ça qu'on dit évacuation. Il faut que vous parliez la situation comme ça se doit. Il faut que vous disiez la vérité. Les médias guinéens, tous les médias ont été publiés par gauche à droite. Fonike Mangue a été évacué. Il est évacué où? Dans quel pays il a été évacué? Évacuation, il faut qu'on fait la différence des choses. On fait la définition de évacuation, c'est quoi? Il a été admis. Il a été transporté dans une clinique et quitté dans les prisons centrales, maison centrale, envoyé dans une clinique à Kaloum. Mais ce n'est pas une évacuation. Évacuation, c'est quitter la Guinée qu'on a créée. Voilà. Non, il fait attendre une vidéo. Ah, voilà, c'est qu'il est très bienvenu. Hein? La évacuation, c'est quoi? Si on le prend, on met dans l'avion, ou bien on met dans un véhicule, transporter, traverser la frontière guinéenne. Si une fois qu'il a été transporté, il a traversé dans cette frontière guinéenne, il a dépassé la frontière guinéenne, on peut dire Fonike Mangue a été évacué. Là, je vais être d'accord. Mais quand vous diabolisez, applaudissez cet assassin sanguinaire, Alpha Condé, en disant ils ont évacué Fonike Mangue. Ça, c'est une pure manipulation. Ça, c'est pure manipulation. Raison pour laquelle nous, on ne voulait pas cette manipulation. Nous, on ne veut pas ça. Parce que je vois une manipulation médiatique. Je vois une manipulation médiatique. Parce que Fonike Mangue n'a pas été évacué. Il a été admis. Il a été transporté dans un hôpital à côté de Kaloum là-bas. Hein? Si Fonike Mangue est mort, c'est Alpha Condé qui l'avait tué. Si Fonike Mangue est mort aujourd'hui, que ça soit témoin de tout le monde, c'est Alpha Condé qui a tué Fonike Mangue. C'est parce que c'est un criminel. Il a tué centaines de Guinéens. Il a tué plus de 3000 et quelques Guinéens. Alpha Condé, les sanguinaires Alpha Condé, avec les rébellions qu'il a fait. Combien de personnes sont mortes à cause de cet pouvoir qui prend notre propre argent, acheter des armes de guerre, acheter des gaz de lacrymogène, acheter de toutes les mauvaises choses contre ces possibles populations. Et attention, ces manipulations. Je vais vous révéler ici encore, avant que je vais finir.
Aujourd'hui, Alpha Condé, Maître Sidi Ndiaye, a fait une déclaration. Ils ont fait la radio-télévision guinéenne. Ils vont commencer les faits, l'investigation, les gens qui sont brûlés, le train à Conakry. Il y aura beaucoup de détentions arbitraires. Il y aura beaucoup de détentions injustes. Donc, ils vont faire beaucoup d'accusations banales. Accuser les gens qui sont faits, qui sont contribués pour brûler le train alors qu'ils sont innocents. Donc, tout le monde doit être courant de ça. C'est une manipulation. Parce que ils sont en train de faire les vengeances contre une communauté. Ils sont en train de faire les vengeances contre un parti politique. Mais tous les. Comme sur le dos de l'IFDC. Parce que c'est l'IFDC est cible de la Guinée. Parti IFDC est cible de la Guinée. Parti communauté Peul. La communauté Peul est cible de la Guinée. Maintenant, ils vont prendre beaucoup d'armes. Ils vont prendre beaucoup de zènes. Pour soi-disant que ceux qui sont brûlés en acquisant les gens dans les mensonges. Maintenant, les gens qui sont à Soronkone, tous les militants et sympathisants de l'IFDZ qui sont dans les camps Soronkone, maintenant ils vont kidnapper certaines personnes encore. Ils vont prendre les gens là, envoyer dans les frontières. Il faut que vous m'écoutez très bien. Les manipulations qui ont commencé comme ça là. Les gens qui sont dans les Soronkone, la détention des Soronkone, comme ils ont déjà torturé les gens là-bas. Ils ont déjà torturé et ils ont une anamare et ils voulaient sortir maintenant. La manipulation, c'est quoi? Écoutez attentif. Ils vont prendre les gens là qui sont à Soronkone, ils vont vous dire si vous collaborez avec nous, on va vous libérer. Mais il faut que vous acceptez cette collaboration. C'est quoi cette collaboration? Ils vont prendre les gens là, envoyer dans les frontières. Donner les armes de guerre. Ils vont kidnapper un autre groupe encore. Envoyer dans les frontières, donner les armes de guerre. Maintenant, ils vont faire les photos, ils vont faire les vidéos. Ils ont pris les gens dans les frontières. Que c'est les gens-là qui vont venir attaquer de la Guinée, que la Guinée est menacée. Donc maintenant, ils vont prendre ça, mettre dans les dossiers de l'IFDZ. Il faut que vous compreniez. Avec dans les dossiers. Hola. Hola, que tal? Non, moi bien, c'est toi dans nos messages. Maintenant, ils vont prendre ce dossier-là, ils vont mettre ça sur le dos de l'IFDZ. Ils vont dire que c'est l'IFDZ qui est en train de préparer les mercenaires. C'est l'IFDZ qui sont en train de préparer des rebelles et pour entrer en Guinée. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Ils disent que c'est l'IFDZ qui sont en train de menacer la Guinée, que la Guinée est menacée. Maintenant, c'est les gens qui sont à Soronkone, qui sont dans les détentions. À la même temps, les gens qui sont, ils vont kidnapper certaines personnes aussi. Maintenant, avec les kidnappings qu'ils vont procéder, les gens qui sont à Soronkone, ils vont emporter tout le monde dans la frontière. Ils vont leur donner les armes de guerre. Ils vont leur donner beaucoup de missiles, bombes, etc. Ils disent que voici. Le groupe de djihadistes, ou bien le groupe de bandits, ou bien le groupe de terroristes, ou bien le groupe de rébellions que l'IFDC a formé. Barça! Barça! Voilà. Voilà. Maintenant, vous allez m'excuser parce que je suis dans ce lieu public. Les gens me voient, donc, comme c'est l'un de mes connaissances. Donc, vous allez m'excuser. Parce que je suis supporter de Barça, donc, raison pour laquelle. Donc, vous allez m'excuser pour ça. Donc, ils vont prendre les photos, ils vont prendre les gens, mettre les photos, caméras, ils vont mettre les vidéos, mais à la connaissance internationale, opinion nationale internationale, que voici les gens qu'on a attrapés, ils sont rentrés d'enfoncer notre frontière, qu'ils vont rentrer en Guinée pour massacrer les Guinéens. Soit ils vont le mettre les djihadistes, soit ils vont le mettre les terroristes, soit ils vont le mettre des rebelles. Mais tout ça, ils vont mettre ça dans les dos de l'IFDZ. Raison pour laquelle, pour déstabiliser l'IFDZ, déstabiliser la communauté guinéenne, maintenant, met un mauvais ticket sur la communauté Peul. Un mauvais ticket sur la communauté Peul. Il dit que voici le Peul ne veut pas la Guinée, voici le Peul sont ennemis de la Guinée, voici pour ethnocentriser la situation et dénigrer la communauté Peul, dénigrer de l'IFDZ, c'est le plan là qu'ils sont en train de se préparer. Il faut que tout le monde soit au courant de ça. Ils sont en train de préparer une grande pièce.
tout le monde doit connaître. Dans quelques jours, vous allez voir dans les réseaux sociaux. Qu'ils ont pris un groupe de djihadistes, ou ils ont pris un groupe de terroristes, ils ont pris un groupe de rebelles dans les frontières de la Guinée, qu'ils sont en train d'enfoncer pour rentrer de la Guinée avec des armes de guerre. Mais fais attention, c'est une manipulation. Fais attention, c'est une manipulation. Parce que c'est les gens qui sont dans les détentions de Soronconi. Les gens qui vont kidnapper. Et dans la circulation de la Guinée, c'est les gens-là qui vont emporter dans la frontière pour donner les armes de guerre. À ces gens-là, mets les photos, mets les vidéos, à dénonçant, mets dans les archives, sur le dos de l'IFDC. C'est la raison pour laquelle ils ont fait un communiqué. C'est la raison pour laquelle ils ont mis un communiqué en disant qu'aucun membre de l'IFDC, parti IFDC, doit sortir dans le territoire de la Guinée. Donc voici ce qui est prévu pour contre l'IFDC. Donc c'est Loudalé, avec son équipe, vous devez se préparer psychologiquement, vous devez se préparer mentalement, vous devez se préparer économiquement, vous devez se préparer défensivement, vous devez se préparer à tous les arguments solides, parce qu'il y a une grande manipulation qui va venir sur vous. La communauté Peul, il y a une grande manipulation qui va venir sur vous. Donc, il faut que vous soyez préparé. Parce qu'il y a une grande manipulation qui va venir là. Donc, tout le monde doit diffuser cette vidéo. C'est faux. J'assume la responsabilité. Parce que je sais que à quoi que je parle, je sais qu'il y a des fondements. Donc, je m'en fous. C'est que le petit communicant de RPC ou bien l'ennemi de la République de Guinée qui vont penser sur ma personne. Et s'en fout de ça. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je vous dis, vous les petits communicants maladies, qui drogueurs, vous qui droguez, qui vendeurs de drogue, vous les communicants, je ne suis pas le même niveau que vous. Je ne suis pas votre calque. Moi, j'ai des affaires avec Alpha Condé. Même Alpha Condé, moi, je suis citoyen d'honneur de la République de Guinée. Moi, je ne suis pas menace. Passe. Moi, je ne suis pas menace pour mon pays. Je suis un don pour la Guinée. Je ne suis pas un obstacle pour la Guinée. Je vous avais dit en plusieurs reprises, moi, il faut déjà quitter. Je suis une opportunité pour la Guinée. Faut déjà quitter, c'est une donne pour la Guinée. Faut déjà quitter, c'est une opportunité pour la Guinée. Faut déjà quitter, c'est une bénédiction pour la Guinée. Faut déjà quitter, c'est une citoyen d'honneur pour la Guinée. Je ne suis pas comme Alpha Condé. Je ne suis pas menace. Alpha Condé est menace pour la Guinée. Alpha Condé, c'est une malédiction pour la Guinée. Alpha Condé, c'est un mauvais exemple pour la Guinée. Alpha Condé, c'est un mauvais sens pour la Guinée. Donc, comment vous pouvez me comparer avec Alpha Condé? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous pouvez me préparer, vous pouvez me faire la comparaison. Pourquoi vous me faites comparaison avec Alpha Condé? Est-ce que moi, avec Alpha Condé, on est comparable? Je vais dire non. Je vais dire non, non, non. Moi, je vous dois pas me comparer. Quand vous me faites la comparaison avec Alpha Condé, vous êtes en train d'insulter ma personne. C'est une injure contre ma personne. Donc, c'est une humiliation contre ma personne. Donc, vous êtes en train de dire, moi, je suis une mauvaise personne comme Alpha Condé. Non, donc, il y a de l'incohérent. Donc, ça, c'est pas normal. Ça, c'est inacceptable. C'est pas faisable. Comment que vous pouvez me comparer avec Alpha Condé? Comment que vous pouvez dire que faut déjà quitter et Alpha Condé vous nous faites comparaison? Moi, je suis sens. Je suis sens pour la Guinée. Sens, n'tant fin dire né manan na la Guinée kébé. Né menan n'tant faut dire sens n'tant faut déjà quitter la Guinée kébé. Je suis le citoyen d'honneur, n'tant faut déjà quitter la Guinée di khourin de nan n'tant na na hanno ma fierté daba de la Guinée bé. Na han na fierté daba fi anoma raba de anaraba fi. La Guinée Kébé. Nous t'en faut déjà quitter. La Guinée Kéra, honneur de nous t'en faut déjà quitter. Nous t'en faut déjà quitter la Guinée Namalima. Nous t'en faut la Guinée Tourunsama. Nous t'en faut la Guinée Kanama. Nous t'en faut la Guinée Yahoui. Nous t'en faut ma fin de la Guinée Yahoui. La Guinée Yahoui, mon amour, non ma fin de la Alpha Condé, la Guinée Yahoui Nara. Adam Kobinara. Adam Yahoui Nara. Il y a pas de Gorara. Il y a un motif à son nom. Alpha Condé, Matourani, Torin Naram Frahi. Akolo Singe,
Alpha Condé s'est considéré comme il est éléphant. Aujourd'hui, il est mos. Il est devenu mos. Il est devenu mos aujourd'hui. Singa Manyongri, ah, c'est de Silinara, Silinara. To abar fendi sasuira abar khuru mus marde abar khuru no ma alpha konde ni na c'est ça dit abor mato ye bara gorara ye bara goro mi na khanna aga fe bar sende en ta mato ntik ke na ma regarde moi très bien comment je ntik ke na ma ntik mato regarde comment je marche regarde alpha konde ntik mato ba ye bara gorara aga fe bar sende abar lo kho abar aga fe bar kana Alpha Condé a fait abar khunna kana abar khunna kana ri khani mi khira khani khatunde fani mono ma do azodi Alpha Condé yira ya khatunde fani ya hola bon plateau ya plateau fani ya kha plateau fani mono ma azodi Alpha Condé yira donc soyons sérieux et responsables. Donc c'est ça que moi je vais vous dire. Comme je dois rentrer dans cet endroit donc au matin, donc je suis venu pour un événement. Donc, je vais vous quitter. Mais Wakolo, on a entendu Alpha Condé, ça bourre ma dé. Moumoussa ma bourre ma. Qui est barangour Alpha Condé là. Mais, autant IFDC Miré, autant communauté Peul, n'a pas fait la ré. On dit, mais ça sera dans Gisèle Loudal, ma wara fala bi. Il n'a qu'à se préparer. On dit, mais ça sera dans Guidé. On dit, mais ça sera dans Guy. On dit, mais ça sera dans Guy. On dit, mais ça sera dans Guy. Fedine o messas ono IFDC Fedine o messas ono IFDC Fedine o messas jonne e sello dal le kagne bureau politique IFDC ono communauté peul responsable de communauté peul fulbe ono fulbe la Guinée préparer kadi parce que on a sello dal en tout visa mi hala nay on ko labi poi e alu messas mena tammi ali a di sello dal ma ali messas mena tangi ali a di sello dal na la bureau ko no mobi ma Foula le fanano ali préparé. Il y a un coup d'état préparé à le contre. Donc, on y est au Falien. Donc, moi, je suis en train de me dire que 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 je suis en train de me collaboration que je suis en train de me dire que olu bara me soron koni olu ni bara toro kono ani ye momenu tala ya fola konalu kamen kende wodi dalma ndal libre fana donc menna ye wolu photo le tala ka video ke koy bara ye korobel men yenal lagine kono jihadis men yenal lagine kono terrorisme men yenal lagine kono ko fulal ni selu dalene be nama ko kana wuldi ambra donc wo preparation ne itola wo ye wole preparation ke kantenya ko yo andu ko be wona prepare ko yo fan yo andu yo famu be inni imbe ko du maître Souleymane Ndiaye de Dixin Sidi Souleymane Ndiaye ko du ndombe wona préparé imbe wombe ka soron koni ka kaso soron koni ibe nangude bendo bayre bendo be tampi be inni so wadi collaboration e mede so jabi ko me woli ko me jonne on kalsi me acci taybe me acci tayo ala même tahi be nangude imbe ben kadi be nangay imbe ben be mobita nokku goto be naba be ka frontière. Si ben nabi be ka frontière be inni so njabi ko me woli ko men jonne on kalsi me acci tan jonno be wada be photo be wada be video be jonna be finkare e piji bondi di fou e piji sa fo kala ko andanta hore mo ko piji bondi be jonne be dondon be inna hino doko odo IFDC préparé hino doko odo fulbe be wadi préparé contre la Guinée ayal fulbe be yida la Guinée ayal fulbe be ko gagno la Guinée ayal fulbe be IFDC ko gagno la Guinée awa ko dundon be wona préparé ko yon famo yo andu e so njodi on njodi e joni leji lutude de so njodi o yinne ko fi fulbe bentun on anda wona fi fulbe bentun parce que tampere ko woni la Guinée hande wona fulbe bentun tampere leji din fono tampere la Guinée jonno stay tonye angal tonye no wadde venande no wadde jonno onon on jodi no kongoto on alay jettude ko hana wadde ko on yinni ko leji kar dundo sa po pas nous concerner ndar ko fejeta e modon on to man nimse dem foko en fo ko seden oldo ka woru ka nyama ko be ka be wonay unu de don en fo udita gite de e o nyama ko don ko je jama andu dundo mbaribore gine ne xamé wa ko lo manipulation na préparé fait. Il a manipulation préparée fait. Biringana kolon, biringana sa okonye. Il n'a rien.
comme Mérine Arena, selon Kone, comme ne baratoro sang, et bar et abarabouina net ni toro fekui, et n'a sa folare. Donc, il n'a pas à saliner par la collaboration naba. À saliner par la collaboration naba, et à un gouvernement mangasse et mabri, à être en cobri fima nema, et à ne benima. Mais comme ne na kasokui, ne na geli, iwama minifé. Et il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Mais il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de frontière. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de frontière. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Activiste n'a pas de vie. Il 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 n'a pas de frontière. Maintenant, il y a des frontières rationnelles. Il y a des frontières rationnelles. Il n'y a pas de bafé. Il fait une carrière dans son manier. Il est bon dans son manier. Il fait bébé il fait kobi. Il fait une guerre dans son manier. Il guerre civile dans son il fait kobi dans tout ton goma. Il fait une carrière dans son manier. Il fait une photo dans son manier. Il fait une photo dans son manier. Il fait une vidéo dans son manier. Communauté pelle foule nous wa ma guerena sin fait la Guinée quoi foule nous wa ma guerena sauver la Guinée quoi foule nous wa ma rebelle nan na sauver et nous wa ma djihadiste nan na sauver et nous wa ma terroriste nan na sauver à la même temps natongo mané afala c'est le dalem fan IFDC mairie et nan na financer fait et nan na rebelle la sauver et nan na djihadiste la sauver et nan na terroriste la sauver la Guinée quoi il n'a problème nan préparer fait à sa IFDC rouma en une communauté pelle il n'est photo tongo mané il vidéo raba mané frontière là. Ils manipulation là-bas, ils montent là-bas parce qu'ils sont champion nana itana n'a manipulation là-bas. Champion nana où les folies nana ira n'a manipulation là-bas. Et nana là-bas fait à la couronne ça foule rouma ani a fallu faire foule la Guinée mourra faire foule ma a fallu faire IFDC la Guinée mourra faire ma donc la Guinée y a quoi nana ira quoi donc à la cour la Guinée si bête non ma garde foule ira qui a n'a ma et a fallu ah la Guinée foule ta mouvante. Foule moufa, et ça le roule nara. Hassali foule moufa, et en foule Guinée de Romana Serafira. Manique cadre, c'est mouna, foule Guinée Kere ou bien Firmouna Nara Rafoura. Il a narassi Nara Moufangri, il a nassi de Romana Serafira. Donc il a d'offé hypocrisie à Nana. Donc Wakolo, foule mou Yahoumarato Yahoumartina, foule na la Guinée Malifine, foule la Guinée Yahoumoufoulera de Diera groupe clan mafia Nara Nabe, on n'a rentré Matiera. On a la Guinée Mato, on a la Guinée à intérêt Mato. On a la Guinée, on l'a m'a dit la Guinée Kui. On a un berceau, on a un bourré d'ira la Guinée Kui. On l'a un Mato quoi. Donc j'ai manipulation, nous on en a marre de ça. Mes frères guinéens, voici les manipulations que j'ai expliquées en Peul, en Malinke, en Soussou. Tout le peuple guinéen doit écouter attentivement avec beaucoup d'intérêt parce que cette manipulation c'est la réalité. Tout le monde doit connaître. Parce que les gens qui sont à Soronkone, les gens qui sont dans les détentions de différentes localités, de tous les activistes qu'ils ont pris, avec tous les acteurs politiques qu'ils ont pris, ils ont dit que si vous faites les collaborations sincères et transparentes avec nous, on va vous donner l'argent, on va vous libérer. À la même temps, ils sont en train de kidnapper beaucoup de gens. Maintenant, ils vont prendre les gens, envoyer dans la frontière. Envoyer à la frontière. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont proposé l'argent à la même temps, ils ont dit que nous, on va vous libérer, t'inquiète pas, on va vous protéger. Alors que c'est des mensonges, c'est une manipulation. Maintenant, ils vont faire les photos avec ces gens-là. Ils vont donner toutes les classes d'armes de guerre. Ils vont donner toutes les classes d'armes de guerre. Avec ces gens-là, ils vont faire les photos, ils vont faire les vidéos, ils vont lancer ça dans les réseaux sociaux, ils vont circuler dans les réseaux sociaux. Maintenant, ils vont le dire. Voici, c'est la communauté PEL. Qui sont ennemis de la Guinée. Voici la communauté PEL, qu'est-ce qu'ils ont préparé contre la Guinée. Depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui, la communauté PEL n'a jamais aimé la Guinée. Toujours la communauté PEL est contre de la Guinée. Et la communauté PEL est contre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Guinée. C'est ça qu'ils veulent le dire. Alors que c'est mensonge. C'est pas vrai. C'est faux à si faux. Le moment de l'indépendance, la souveraineté de la 1958, c'est tous les peuples guinéens qui se soulevaient comme un seul homme pour combattre la domination française et combattre la esclavitude, combattre, demander la libération de la Guinée. Donc, que ça soit Peul, que ça soit Malinke, que ça soit Soussou, que ça soit n'importe quelle ethnie en Guinée, que ça soit forestière, tous les ethnies, tous les bords
ethnie en Guinée. Toutes les forces vives de la Guinée qui se donnaient la main pour 1958, ce n'est pas seulement de Sékou Touré. Sékou Touré seulement, il ne peut rien. Mais c'est dans l'entente, dans l'harmonie, dans la cohésion, dans la, dans la collaboration de tous les peuples qu'on a arrivé de notre indépendance. Maintenant, cette manipulation, ça ne marche pas. Ils vont que tout le monde soit ça. Maintenant, ils vont prendre ça aussi, mais le procès, le IFDC en disant c'est IFDC qui est derrière de cette manipulation. C'est ça qu'ils vont dire. Que voici, c'est IFDC qui est contre cette manipulation. C'est ça qu'ils vont le dire. Ils vont dire c'est IFDC. Alors que ce n'est pas IFDC. C'est la manipulation. Parce qu'il sait que dans la sincérité, il ne peut pas gagner l'élection. Dans la sincérité, il ne peut pas gouverner. Dans la transparence, il ne faut pas gouverner. Il ne peut pas gouverner. Parce que si le Guinée est tombé d'accord, ça va rendre la tâche très difficile pour eux. Maintenant, il faut que Alpha Condé est champion. Avec le clan mafia de Alpha Condé, ils sont champions pour créer un conflit, créer mécontentement, créer les zizanies, créer le désordre dans notre société. Maintenant, ils sont en train de jouer la souveraineté nationale. J'en prends la souveraineté nationale, j'en prends les concordes nationales pour mettre ça en danse, mettre ça en jouer. Une mauvaise jouer. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on ouvre d'autres chiens. On doit réveiller les consciences dormies. On doit sensibiliser les peuples en disant qu'on a une seule ennemi, c'est communauté. C'est pas communauté PEL, c'est pas communauté IFDZ. On a une seule ennemi de la Guinée, c'est le clan de Alpha Condé. Il n'y a pas d'ennemi en Guinée. C'est une seule ennemi qui est en Guinée, c'est le clan de Alpha Condé. C'est Alpha Condé avec son clan qui sont notre ennemi commun. La Guinée, c'est un pays indivisible. La Guinée, c'est un pays unitaire. La Guinée, c'est un pays indivisible. Nous sommes des familles. La Guinée, c'est une famille. Mais quand on dit union, il y a des unificateurs. Quand on dit union, il y a des unificateurs. Mais avec Alpha Condé, c'est pas, on ne peut pas unifier les Guinéens. Il n'y a pas d'unificateur, il n'y a pas un procès qui peut nous unir. Il n'y a pas un procès concret qui peut faire que le Guinéen peut donner la main. Il n'y a pas un procès concret qui peut faire que la Guinée peut se retrouver en famille. Ce n'est pas possible. Parce que notre dirigeant actuel qui s'est autoproclamé, qui sont des dirigeants de la Guinée, qui sont pour la Guinée, et ils sont ennemis de la Guinée.